Congo Dialogue.com www.congo masolo Congo Solo .com Kitoko 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 Bobby Ronaldino le King is back Bolandara Mingi Mingi Congo Dialogue, Congo Dialogue. Francine Ngembe Mission www.congo dialogue Nous sommes en train de cogiter sur l'affaire RAM, vous le savez. Le registre d'appel mobile Lissou Nara Moane Tchayi Makele Libele Namboka. Yango Tolinga et Lelo Totia Yango en direct pour te et Solola. Basubazo continue pour les la petite Nara Moro Bouyabenga chaque jour pour Aiba état de santé, Aiba position à Viazawa puis pour Tokutana. Malheureusement, Nicolas Zobenga a été la tournée petite Nara Neyo Zobenga a été. Abivie, Moutouana RAM Moana, le dérangé Nara Mavera. Moutouana, là j'ai compris, à RAM, ok. Donc c'est les micros limités. Alors, ingénieur Tosha, ouais. Toi continue na yo, place au Tsukaki, pour te tous appeler réaction à Timothée Lenoir et puis à Dr. John Kankonda. Bah, on peut appeler ça bah, avis d'avant, surtout. Y a, avant peut-être de continuer, je rappelle que nous sommes bien captés en Angleterre. Message moi, outil Londres, Nazu Angouyandeko, Patrick Mangasa. Il dit, c'est faux, Makambu, Moutouana Zo Loba. Actuellement, à Tolongoli, Sim peut kangi téléphone la police anglaise, bakoye, ba place aux Ali, à moins obima Angleterre. Et Ali ngai Patrick Mangasa. Patrick Mangasa, je crois, na Londres, puisque le numéro de Bimi, plus 44. Montrer en techniquement. Allez-y, allez-y. Oui, oui. Mon lit interactivité, hein, vous pouvez réagir, hein, monsieur Patrick Mangasa. Sûrement qu'il n'est pas technicien, sinon ce sera qui télécommunicant, il n'y a qu'à comprendre. Dans le bien, il y a un émetteur et récepteur. Il y a prise en charge par une BTS. BTS, il y a symbolisé dans l'antenne ou le réseau de la quartier. Vous comprenez? Les téléphones ne fonctionnent que lorsque vous placez une SIM dedans. Ce qui est SIM, il y a filtre, passe-bande, il y a fréquence, il y a société Songolo Topakala. C'est alors que aujourd'hui on a un badging, bateau ba yebi télécommunication ba yebi badging, c'est le signal. Tant on a un téléphone il y a kala, il y a deuxième génération et ben nego clignoter. Hein, ba non mon a ce que au chessim à le téléphone comme nego clignoter. Et opé la munda. C'est ça le badging pour dire que non, tu es pris en charge par une antenne. Ça veut dire réseau yebi que tu es en fonctionnement. C'est alors qu'on peut retracer. Vous comprenez? Bon tu as même dans un film américain lorsque 24 heures chrono. Et puis pendant que vous êtes sur le pas avant 10 minutes. Et ça procédure. Il faut même que vous ayez à partir de la HLR, de la VLR, antenne, ni une place où vous allez. Monsieur l'ingénieur, on a rien à aider. Pourquoi on a quoi à Londres? Ce qu'à Londres, Londres, comme en France. Est-ce que ça a raison à Londres, Moutouyaka, ou bien raison à France, Moutouyaka, pas comprendre facilement. Au moins, on soit. Ils allient service Orange, il y a France. Oui, ils allient Vodacom, il y a France. Tout comme ils allient service sous-sort, comme en Allemagne. Ils allient par exemple O2, hein, O2, soit ils allient Télécom, il y a Allemagne, où vous voyez. Il y a interaction. C'est ce que je veux voilà. Comprendre, madame, que ceux qui sont à Londres et qui ont communiqué dans la Belgique, ils allient que réseau Wana Moutouazo Zoua. On va continuer, parce que. Donc voilà. Ceux qui maintenant, je disais que non. Bah yo constitué antenne et soyons en charge pendant que sim oyo moto yo mokolo téléphone yo ba kesa na kati c'est alors que tozana ba détecteur de gain en décibels oyo ba landaka ça veut dire bazo mesurer puissance na yo plus on s'avance hein na moto aza na téléphone plus signal les okoma makasi botana nga na ba film au moins na signal ba numa ta tin 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 ça veut dire to komi proche jusqu'à ce que Bakoya Kadre Babino aza dans 5 mètres dans le rayon Oyo, bâtir la police si Bakoya Kouzoyo. Si seulement si appelle les Katani en cours de chemin, ça veut dire on te perd directement. On te perd. C'est pas une opération facile. Et combien à plus forte raison Moutouayi bi téléphone à l'ongoli sim, azu siminaye moko, à tchena kati, yoko tracé, yoko tracé nengeni. Mais il y a seulement une manière de rendre le téléphone en go jouer. Bah application Zali. Même les Android, soit les iPhone. Et ça, l'application, oh, il y a un téléphone. Ok, chez un ami. Si vous avez un email, vous avez un email, c'est à comment quelque part. Si vous voulez rendre le téléphone, vous pouvez jouer. Au côté chez un ami, au bête, au côté d'application, ça veut dire c'est quoi? Dans un téléphone, nous avons la pièce maîtresse, unité arithmétique logique, UAL, microprocesseur.
C'est dans ces microprocesseurs, ils ont la carte à téléphone, la partie intelligente, là où il y a toutes les opérations au téléphone et ça. Vous comprenez? Maintenant, quand on envoie un signal pour faire la remise à zéro, ça veut dire court-circuiter. Ça veut dire à partir d'un signal, il y a un Tinda. Et ça, c'est un code. Nous utilisons le code ASCII, nous utilisons le code LitBiz, nous utilisons le code binaire, la télécommunication, et puis le code LitBiz excédent. Trop technique. Hein, je suis technique. Ça veut dire au Tinda, un code. À partir d'un code Eurobeta, on peut faire comment mode d'emploi. Au côté, au côté. Au bête email, na yo, au Tindy code, ça veut dire que c'est un signal que tu envoies. Au et que place, ça là qui téléphone. Donc, les alis smartphone, il y a un réseau. Voilà. Vous comprenez? Chaque email, wana, ça veut dire que c'est l'identification d'un téléphone. Ok, kaka, au bête yango, le téléphone devient un jouet. Au qu'on récupère yango, mais tu détruis le téléphone là où ça se trouve. D'accord, ingénieur. Vous comprenez? Vous allez seulement pour l'instant intervenir au cas où Monique. Analyse mon gars, il y a un co-débatteur Moreza. Mais quand finalement, il y a chuté pour na Olobaki, est-ce que c'est vrai? Makambo yo et l'Obamaki. Maintenant, relation ni nezali entre téléphone Oyo na Wi-Fi. Parce que le ministre avait dit le RAM, parce que tout le monde, est-ce que c'est possible? Le RAM, est-ce que vous pouvez s'habiller sur Wi-Fi? Non, non, écoutez. D'abord, ingénieur, j'ai la chance de t'avoir sur ce plateau. Hier, nous avons fait un débat politique. On a parlé également de la, comment, la gratuité à Wi-Fi P. Au moment où mon conseil m'a dit que Barocha Wi-Fi, là, il y a un syllabi, c'est Kotaki en passant. Mais on ne va pas parler politique. Hein. Mais je voudrais savoir l'élément de différenciation entre Wi-Fi et Internet. Oui, Wi-Fi, c'est quoi? Comment on obtient un Wi-Fi? Prenons le cas, on prend cet exemple, on a l'université à Kinshasa. Il y a la fibre optique qui est passée juste derrière. Voilà. Hein? Deuxième phase, il y a la fibre optique, on a acquis contrôleur, il y a projet Sokof, et Outi Banda, Mwanda, Ti, gare centrale, 750 km. Et le qui côté va bien à Kalouzizi, là où les mamans prient, la fibre optique est l'équivalent. Ça veut dire que c'est ça la source de l'internet. Notre connexion avec le monde, aujourd'hui, on a point d'atterrage dans Mwanda, qui appartient à une société anglaise, Watts. Aujourd'hui, connexion à partir d'Afrique du Sud, dans l'océan Atlantique. Vous voyez, Wifnini, fibre optique, elle est qui na Simaya campus. Maintenant, pour nous rejoindre Internet na camp, na université à Louvanium, na campus na Bissau. C'est facile. Et ça, on s'arrête à travailler, moi, à génie civil, na bande rose à la 1 km. Kolongo à Blanca, il place les alliés, Tina, bah, institution, place, bah, école, les alliés. Bobendi, câble, na Bino, il y a non, si corps, autobengi, il y a fibre optique. Et comme il y a une université, parce que vous en avez début, et bien, puis vous en avez bande passante, Mounaï. Vous comprenez? Après, vous achetez un routeur. Un routeur, c'est un équipement où il permettra que ce soit tout simplement Wi-Fi. Wi-Fi, c'est quoi? C'est un signal subtil. Hein? C'est l'onde électromagnétique. Un signal. Ce sont des supports de transmission subtils qu'on ne peut pas toucher. Maintenant, ce qu'on a dans Wi-Fi, et ça, le cas là, bah, fumer le lieu porte. Pourquoi t'as su qu'on a wapi na internet? Okay. Mais Wi-Fi est internet. Wi-Fi est internet, c'est internet. Okay. Ah, tu vois, part, vous savez raison. Sur, c'est sur routeur. Vous savez raison. Ça veut dire Wi-Fi peut permettre. C'est comme autrement un gateway, une porte. Et puis sur accès, pourquoi t'as su qu'on a internet? Pourquoi t'as un site? Mais au côté de la site, pourtant la livre, il y a certains ouvrages, pourtant il faut son bango. C'est pas gratuit. Ça veut dire qu'au son bango, ça a une peut-être bah, il faut. Au télécharger en gros, qu'au télécharger, c'est un faux chaba méga. Or, bah, méga, on a, c'est en termes d'argent toujours. Okay. Donc, l'internet en soi, ils appellent gratuit karaté. Wi-Fi, c'est autre chose. L'internet aussi en est une autre. Internet veut dire quoi? C'est le réseau des réseaux. Parce que lorsque nous commençons en informatique, tu as un réseau LAN, le réseau local. On a RTGA. Vous avez votre réseau. Tous les ordinateurs, il y a Bino, il y a interconnecté. Ça veut dire à partir de DG, tout à quoi rejoint. Mais ce que vous avez, c'est une RTGA, mon sous. Ils ont un Kingasani. Bango pe baza na réseau na bango. Boko tia réseau man. Ça veut dire à partir na bino a wana RTG a bino Kingasani. Boko tia faisceau hercien. Là bas comme une réseau man. Mais ce que vous appelez na RTG a moussou, soit bas correspondant à bino moko ya. RTG a moussou moussou dans l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Voilà. C'est quoi wana boko mi état contre état et comme c'est yo. Internet soit bien ka réseau de réseau. Vous devez passer par les satellites qui est un support de transmission. Pardon. Qui est un relais spatial qui va nous permettre à faire quoi? Joindre des entités très 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 très. Ingénieur Toucha Pema Mouké. Ingénieur Toucha Azana raison. Je vous écris depuis l'Angola. Parce que je m'appelle Chéri Coco na Luanda.
ministre Ndé Ayebi Akosaki. Ça, c'est son point de vue. Hein. Mm-hmm. Bon, je reçois beaucoup de messages. Ingénieur, ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Bobé Namnongate, Bobé Nga, deuxième numéro, hein, pour ne pas faire la pub. Hein. Bon, c'est notre partenaire hein, également. N'appelez pas les numéros 081. Moi, ici, vous pouvez m'envoyer qu'un message. J'ai beaucoup de messages. Na Sud du Bangui, Bakome Libiso. C'est M. Tabou, ingénieur dans la province du Sud du Bangui. Ingénieur Azoloba. Rien que la vérité. Botikaye a pesa biso kouro a zo pesa biso la télévision. Mbokele. Merci beaucoup Nali Kambo Talira Mdenge Bolobeli yango. Il y a beaucoup bon ingénieur na pema on t'a un message sur ceci. OK, merci. Pardon. Mon code na CPD yango. Bonjour. Bo finga ka biso ba ingénieur toye ba loba français te ba technicien. Comment ce monsieur il parle bien français? Attends, on va pas entrer là. Non, mais continue. Je martèle. Félicitations. Non, non, je martèle. Attends, que je suis ingénieur technicien. Mm-hmm. Je finis à l'ISTA. Mm-hmm. J'ai fait mon premier cycle à l'ISTA. Ça veut dire que je suis électronicien spécial de la radiotransmission. Mm-hmm. Et j'ai fait mon second cycle à l'ISTA. Ça veut dire que je suis ingénieur en génie électrique, spécialisation télécom. Okay. Donc, à part ma cursus, on atteint l'ISTA. Il y a une spécialisation en disant que Ming est ingénieur à l'ISTA. Voilà comment ingénieur Toche est en train d'expliquer avec un bon français et puis vous comprenez Marambazo Loba. Félicitations à vous, ingénieur Tocha. Merci. Il a peut-être écorché votre nom. Hein. Bon, on va comprendre. Nous ici, on a des techniciens comme chez nous. Hein. On a des gens comme Goss Massela. À Komelo français au Leli, Digital Ngoy, Fiesta Mbou, d'ailleurs, ça Fiesta sous directeur. Hein, Maître Tiang, Bazé Bélé, à Panso, Papa Kadé, soit Komelo français au CPLI, à Lobby Pango au CPLI. Donc la RTGA avait fait donc un critère, moi, bien de choix. Une. Bon, j'ai que 6 minutes pour vous. Pour passer à la rubrique Nini. Nous allons solliciter l'intervention de Madame Christelle Mwabil. Donc, j'ai 6 minutes. On doit réfléchir sur la question. C'est moi, comment on m'appelle? Madame Christelle Mwabil, vous sécurisez. C'est moi qui suis. Sécurisez. Christelle. Vous avez 3 minutes pour expliquer, parce que dans quelques petites minutes, il sera l'heure, le point sur l'actu. Vous connaissez quand même nos... Ah, ça c'est bon, mais on est toujours là. Je commence par qui Docteur John, okay. Posant la parole. Dikamwetali Ram. Et suscité débat, ma casse, c'est dans ma message et belé, mon réalisateur également. Yo, le mini affaire. Mais voilà pourquoi Tolinga KRTGA. Bah, émission à Boye, dépôt na Bayimboka, bah, Vanda, bah, Yoka, Matière, Nengezobi Mawa. Azo félicité, bah, Mouchetu Vilignoso. Je félicite Banaïsta, na enseigné, na professeur ya Ista, et démontrer que na mboko yo tozana batu. Ministre Kibasa, na ibite soki omona ki monsieur ingénieur awa, soki moyen ko sala recrutement ya malamu zongana na Ista, parce que bato ba yibi matière. Sur tout le plan. Kalinga na zongana nan. Est-ce que monsieur le ministre au sali quand même examen na moyen yako meka ko faire comprendre batu ramezanim ingénieur Azalia communication ya monsieur ministre Kibasa est nul, excuse-moi, j'ai dit bien chama ina mon côté communication est nul avec tous vos cabinets là. Regardez en quelques minutes tozana ingénieur à parvenir yako pesa biso matière to continue cours makambozo koloba awa nde ba yimboka basaki na besoin. Nous, on n'a rien contre RAM. Tout ça, bateau n'y a pas de soi. Parce que, imaginez, nous avons autre chose qui est là. Au moins, dans un téléphone, nous avons 6 misats. Dans le même téléphone, nous avons 4 trois fois. Ce n'est pas le même téléphone. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, pure et simple. Nous avons un contre-courant, il y a ma cambovision, chef de l'État, peuple d'abord. Oui, quand tu es un peuple d'abord, tu es. Dans le biboye, nous avons un téléphone. Nous avons un téléphone. Nazan a si mi balo mi sat, n'est-ce pas? Bah si mon sou se n'utilise à tangote. Mais le fait que au même moment, bazum bongo trois fois, na même téléphone, déjà il y a l'arnaque. Deux. Est-ce que ministre Kibasa a quoi expliquer bisopo? Autre le va concerner la spécialisation Libanda. Je sais pas tout ça la spécialisation Libanda. Est-ce que la poto place aux alara mingi, ba katarape ba ramba ba. Comment est-ce que pourquoi monsieur Kibasa a quoi permettre que quand il y a aucun deux au téléphone, son ma téléphone? Bah, quoi qu'il soit déjà sur les impôts, bah, quand il y a un parking, il y a vendeur. Et qu'on permette que ton moto soit mis téléphone, je n'ai pas cet exemple. On soit mis téléphone 100$, n'est-ce pas? Bah, quoi qu'il soit 110$. Ça veut dire qu'à quoi qu'on soit déjà. Je dois lever la franc congolais, pardon.
Non, non, s'il vous plaît, docteur, là, tu as mon pour le Likambo, le Biago Kata, je rappelle déjà que tant que tu as un téléphone, Nabissou, Bazoaka déjà TVA. C'est déjà une taxe pour foutre. C'est comme dans un supermarché. Deuxièmement, les gens doivent connaître que n'abappel nion saute au salaire téléphonique. L'État prélève 20%. Mais si quoi y'a moni kala? Y'a mbongo au tosombara. Par chaque appel. Ça veut dire foutre ka déjà. Donc ma grosse pèse habite sur ma taxe mon sou sur le colo à haut au foutre. Kitanano. Na kitine. Parce que n'abatouana ou bah foutre tosombara téléphone wana. Bah téléphone mon sou ça ressemble bah pèse sur facture t'es. Voilà. Mais t'es veillé bah zoa kango tant bah pèse sur facture. Et puis l'État a la possibilité y'a Colandela que bah toi ma compagnie n'aie à tes gars, par exemple, 500 téléphones. La 500 téléphones, l'État a joué autant. Bah, foutre un peu de temps. Effectivement. Mais la donne, on a vu sur quelque chose. Ça, c'est un autre débat. C'est vraiment poreuse. Mm. Vous comprenez? Alors, il y a moi dans la ligne, comme c'est monsieur le ministre, que façon il y a eu à communiquer. Il y a une explication, bah, je ça. Oh, bon, voilà, bon, moni. Parce que, bah, 4-4, bah, tu en désordre. Oh, moni, il y a parce que, il y a une machine dans la société, mon codonné, et machine, on est là qui débloque, et on a comme 4-4, bon, pamba. Mais, zongi ça d'abord, bon, voilà. Aïe, c'est bien ce monsieur Kibasa. Combien de téléphones, yo, so, kangi, oh, bah, ibaki. Ponga, bah, tu as eu un téléphone il y a 3-4 jours. Et ça, la bande de gousses, bah, il y a eu un téléphone, n'est-ce pas? Oui. Depuis un mois. Oui. Est-ce que monsieur Kibasa, à quoi, il s'est bah rester les retrouvements dans l'itinéraire téléphone bah récupérer hein, ça c'est de la pire simple. Je vais chuter en dessous. Alors on dit que monsieur l'ingénieur a 20 minutes nanga c'est vrai que ma campagne bien ça 20 minutes on a besoin d'abord à expliquer ça pas pour qu'on ande bah autre chose que téléphone bah quoi ça c'est vrai que j'ai eu localisation à cause là sur téléphone surtout pour na ngana yebine tu ba iPhone wana ndengo autre chose bango mais téléphone ce qu'on se limite sim na kati c'est dire que moyen lande lango exacté. Mais ce qui passe, c'est ce qu'il y a de technologie à Tanga Kiwana. Parce que quand on a eu ça, parce que vous savez que vous avez eu de quoi au PC. Parce que je voudrais que vous soyez sous émission, sous pour tout le monde, quand vous avez besoin d'un émission de bande. Mais tant que vous avez besoin d'un Wi-Fi, Wi-Fi, vous avez besoin d'un anglais, vous avez besoin d'un Internet. Mais derrière l'université de Kinshasa, vous avez la fibre Zawana. Est-ce que vous avez besoin que vous avez besoin d'un Wi-Fi, vous avez besoin d'un ça, c'est de l'arnaque pure et simple. Mais ce qui passe à l'écart expliquer du que assis à Zumbongo, combien Mbongo on est sali nini. Qu'est-ce que ça a à voir? Parce que chef de l'État, tu as le moment qu'on wifi, c'est quoi? On a vu qu'on a une université. Mais ce qu'on a bambou, quand on a une communauté dans Carrefour, en est gare centrale, on a un wifi gratuit. Au communauté dans barré de bus, bah wifi est gratuit. Au communauté de Bessi, comme chose. Pourquoi monsieur qui passe à quoi qu'on soit d'abord dans la gare centrale là? Et c'est un Zandouawa. A tché wifi gratuit. Pour Batoumaland, est-ce que le ministère n'a pas. Le docteur a utilisé 6 minutes de ce modèle. Est-ce que le ministère n'a pas. On va revenir à Timothée. Wi-Fi est gratuit. Est-ce que Batoumazo travaille avec la télécommunication? Place Yazali. Est-ce que Wi-Fi gratuit Yazali? A-t-il un barnac ou un. A quoi que je n'ai pas victoire ou un. A-t-il Wi-Fi gratuit? Batoumazo va se connecter. Parce que tu as la fibre optique. Merci. Voilà, on va rappeler rapidement que j'ai beaucoup de questions. Hein, excusez-moi. Tony Koko, bonjour. Nangina Tuna, Bokomi télécommunication. Pourquoi Bolobi télécommunication les places de communication? Oh là là. Non, ça il faut différencier. Hein. Communication. Toi, après. Ça il faut différencier parce que télécommunication ndemute qui t'étale à Ramakamboy. Communication est allé tali maram nabi soba journaliste parce que il y a quelqu'un qui m'a toujours dit nenini mutakataki la mère Mende à l'époque. Bon, on va retrouver quand même nos amis de la direction d'information. Vas-y. Non, en fait moi je suis un homme scientifique. Je suis un homme scientifique et bisotoza ba tout saisir ça comme opportunité. Au moins il était que je me suis pas gêné. Toniko onaza na bloc note na nganabik pour na kokoma. Ça veut dire que c'est tu apprends. Moi aussi. Également. Ça, non, c'est ça veut dire que NASA leader d'opinion, NASA politique, je suis influenceur, donc partout on va m'appeler, au moins même si je ne suis pas ingénieur, mais la maîtriser. Mais ingénieur d'entrée déjà, avant qu'on appelle sa analyse, j'aimerais quand même te féliciter. Merci. Et féliciter plus particulièrement Nekwaïsta. Merci. Et je pense que la question sur les Wi-Fi, même à niveau, il y a vision, il y a chef de l'État, il fallait bandander pas na bino na yista. Effectivement. Parce que bino de Batubosa n'a pas expertise. Bosa expertise, Bosa quintessence, Yanini. Comment on appelle hein? Il y a question là. Moi ça m'a mis à l'aise. Et ça, vous le faites trop bien.
Et là maintenant, je vais tirer politiquement. Parce que moi, on peut passer à quoi rater en côté. Allez-y. Là, il faut marquer Kabi. Parce que la République, elle a déjà voté les mains. Non, mais je suis au regret de constater. Mais je préfère utiliser critiquer. Hein, bon, mieux, tirer dans le sens. Non, nous sommes en politique. Quand tu dis tirer, tu fais allusion à une tendance que. Non, tirer, pas de. Tony Gogo. C'est vrai que. Tony Gogo. Côté négatif. Les ministres qui battent ça, c'est un fruit de l'UDPS. L'UDPS, c'est ça, parti, Moro, il y a corta, corta. Tu es dans les biens, on t'applaudit. Tu es dans les balles, quand tu as gardé du temple, la 10e rue, il y en a beaucoup de sauter dans ta siège. Alors, si quand on a là, tu as un esprit à l'UDPS, tu as connu une excellence avec tous les respects. Aujourd'hui, les locaux sont au bon. Pourquoi? Parce que quand on bénéficie d'un domaine, d'un secteur, on a des experts à la matière. Est-ce que les Kambouyara, j'ai été mal compris, j'ai bénéficié même des menaces. Les loyaux, regarde au travers la RTCA, l'analyste de ça, tu comprends que ça arnaque. Si quoi, wapi, IGF, Nambour, on a bissé, on a bissé, on a bissé, on a bissé. Moi, j'ai 7 numéros. Moi, j'ai 7 numéros. Ah, ben oui. Oh, les numéros, on a bissé, on a bissé, on a bissé, on a bissé, on a crédit. Et vendre à la poche. Numéro rouge, il y a un. Mais maintenant, il y a un message, il faut que tu aies une unité au moins à 10 dollars pour la zone opérationnelle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la question de Ramwana, nous demandons à lui, chef, l'inspection générale des finances, Manu Militari, maintenant, il faut qu'il y ait deux inspecteurs qui dans le ministère, il y a peut-être qui va mener l'investigation. Parce qu'on a bénéficié il y a deux semaines, il y a arnaque, 4 à 7 dollars, 4 à 3 dollars. Il y a combien de personnes qui ont des téléphones à la République démocratique du Congo? Et je vais vous faire rire. Moutoumoura a publié dans les réseaux sociaux, a dit, ah! Ce qui est chef de l'État, quand il rame, c'est qu'il y a mon peuple qui a unité. Quelqu'un a publié ça dans les réseaux sociaux. Donc vous comprenez. Donc aujourd'hui, bizarrement, vous remarquerez, sont plus les ministres de l'UDPS au bazar qui ont accompagné Visu à chef T. Et pourtant, le chef a une bonne volonté politique de bien faire les choses, de faire mouvoir la République. Mais tu as le résultat. Parce que c'est supposé, à niveau du ministère, il fallait qu'il y ait des experts. Avant qu'on lance l'opération Yaram, il faut m'expliquer ça. Et puis l'ingénieur a soulevé point bien. Nani IGF, Olo Landagara Bukangalonzo, Landa Penon Bata fibre optique. Parce que fibre optique, Bimisambongo et Bélé, il y a eu 3-4 ministres qui sont ici à Kinshasa. Si les lots fibre optique, résultat d'amour et Ebanate. Donc aujourd'hui, la question sur ma gamba fibre optique, n'est le chef de l'État suivait le gamba wifi, et ça n'a pas occasion, dossier en est au rendez-vous, qu'on sache la République Abimisaka combien, qui sont les 3-4 ministres qui ont géré la question sur ma gamba fibre optique, Toyeba. Donc, les Kambouyaram, Lelo, Tony Koko, on a cadre d'état de droit, parce que vous pensez que Moutazaka n'a pas droit dans Mboko Eza IGF. Bisopé, citoyens congolais, population, nous sommes dans nos droits. Et nous, nous demandons à l'IGF, Manu Militari, diligenté déjà, l'équipe Mogo a enquêté qui est un ministère à Petenti. 2-3 semaines, Kati Mbongo à Congolais, tout le monde a Betsami Libaku, Mbongo et Katami sans raison. Et aujourd'hui, nous sommes devant un expert où encore nous voulons un débat parce que nous sommes dispo. Et l'état de droit, ça veut dire qu'il y a la contradiction. C'est le chef de l'État. Donc, moi, j'ai dit ça plusieurs fois. Que la décision arabe, c'est une décision impopulaire. Na sengi kutu na mwana mboka jama kabundi mutazaka misu makazi. Na bibazo kwa la ba Congolais. Vraiment, jama kabundi ozo mwana te. Et voilà, aujourd'hui, mais nous avons un expert. Nga isko na laki, ingénieur Tosha, vous avez la parole. Nga gona laki surpris, na mwana bakata angate. Bako mela nga félicitations sur 7 et sur 6, hein. Vous avez 4 sur 6, je n'ai pas raté. Ou est-ce que vous avez une unité, hein. Tony Koko, avec ta permission, ingénieur, excuse-moi. Oui, mais que si tu colis, tu as commis un mandat, tu as commis un politicien, tu as raté dans la Gérard Plus 243. Si tu as raté dans la Gérard Plus 243, tu as raté dans la société de communication, RTL, Vodacom, Orange, que sais-je encore, les mal payés sont les nationalistes. Et pourtant, le code nous revient. Les bien payés sont les expatriés dans quatre sociétés. Il faut que nous, Congolais, les peuples d'abord, que nous sachions qui gère réellement les plus de 243. Effectivement, je veux parler. C'est à partir de là. On va parler de 243 également avec l'ingénieur Tosha. C'est grâce à lui que nous avons appris que nous sommes d'ailleurs le 43e pays africain de s'enregistrer la ligne internationale UTI des télécommunications. Alors, ingénieur Tosha, quel est le rôle à RPTC? D'abord, et puis on va parler de PCC. Oui, oui, na chuté dans les locaux de RAM. Du point de vue technique, RAM est bien étudié.
le ministre a dit, disons, l'RPTC a dit, je ne vais pas me focaliser sur une personne, que non, il faut identifier ma téléphone mobile. Mais quand nous parlons des appareils mobiles, bah, écoute, appareil mobile, on n'a pas que le téléphone ici qui utilise le duplex. Parce que lorsque nous parlons du mode de transmission, nous avons le simplex, nous avons le semi-duplex et nous avons le duplex. Ça veut dire duplex qui veut dire yozo benga na zo benga au même moment. Ça veut dire nous utilisons deux fréquences différentes. Mais bah pareil mobile, toi appelles bah talkie walkie. Et ça peut bah pareil mobile. Hein, on te benga bah Motorola, comme une boîte par là. Bah on va faire la semi-duplex. Ça veut dire ils n'ont qu'une seule fréquence. Oh, et permettra bah on te va le au même moment d'une manière simultanée. Ça veut dire fréquence et amoko. Yo soro lobby, aux en émission. Oiseau, quand vous avez un récepteur. Ce que vous avez au lobby à vous, il y a passé un récepteur, il y a commis une émission. Vous voyez? Il fallait... Qu'est-ce que maintenant le ministère a fait pour identifier le talkie-walkie? Ils appellent l'appareil mobile. C'est un peu comme ça. De deux, Ram fait fort l'andabango. Mais il y a un appareil mobile, non? Mobile, il y a un appareil mobile. Registre d'appel mobile. Ils appellent le talkie-walkie. Maintenant, le ministre au lobby va identifier le téléphone. Mais maintenant, comment on identifie le téléphone? Normalement, la procédure se fait comment? On t'appelle yo. Yo moko ba bengi yo. Ok, na shop. Ya opérateur na yo. Oh, yo za la sim na ye. Ok, na téléphone na yo. Ozui email na yo. Sa nini? Opesi. Tant opesi email na yo ba enregistre yo. Ba tindi numéro email na yo na serveur. Sûrement, opesi na numéro téléphone na yo. Numéro wana ba tindi yangwe pa opérateur na yo. Nde ba bandi ko kata yo. Bah crédit. Vous voyez? Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est fait maintenant aujourd'hui? C'est qui me. Ils ont retenu les années. Nous avons enregistré. Bah, il y a un email na yoté. Ça veut dire que ton téléphone n'est pas encore sécurisé, n'est pas identifié. Voilà. Mais si Babandi Kokata yo, bah unité. Mais maintenant, moi, oh, Bokatina, bah unité. Pendant que la Kena a perdu sa email na shop. Maintenant, vous avez identifié quoi? Je n'ai pas identifié mon téléphone, mais bien aussi mon 4 signes à unité. En plus, tant que vous avez un opérateur, donc vous avez un bâté. Et allez, ça veut dire qu'ils ont mis la charrue avant le bœuf. Vous voyez? Il y a 4 signes déjà à unité, mais par rapport, pendant que non, le petit email n'a rien à réseauter. Monsieur l'ingénieur. Vous voyez? Monsieur l'ingénieur, pardon, mais non, non, moi, c'est Mouké. Et là, on a dit que nous avons un service clientèle, n'est-ce pas? Tant que nous avons un service clientèle, on a tout fait. On a bien aux unités, bien que nous avons un peu de temps, et ça vole. Ça va très bien. Mais ce qui va s'expliquer, tant que nous avons un service, n'est-ce pas? Le service, on a bien parce que nous avons un bon. Parce que tu dois demander. Bon, on a OK, ouais. Parce que moi, ça m'est arrivé 3-4 fois. Tant que vous avez un service clientèle, vous avez un service clientèle, vous avez un service toute la journée. Et là, vous avez un service qui est bon, vous avez un contact avec vous. Alors, là, je suis chuteur, sinon vous avez perdu de fidélité. Effectivement, allez-y. Yango, maintenant. Je peux rendre mon coup. Oui, bon, je peux. Au moment où vous avez un service, je comprends. Mais il faut bosser un rangai. Oui, pour les gens. Je suis chuteur. Allez-y. Voilà. Maintenant, on a pu démontrer que Bazo Kata a unité sans pourtant identifier le téléphone. De deux, qu'est-ce que normalement le réseau fallait que ça là? Tant que le téléphone est à 3e génération, Android, Bazo Kata $7 pendant 6 mois. Il fallait qu'à partir à service, autre plateforme, ça veut dire la partie intelligente, place où il y a un abonné, il y a une banque, il y a un crédit. Il fallait que ça soit la vie sous Ramouana. Il fallait qu'à l'oba. T'es proposé. Non, il fallait qu'il bat ça là. Bah ça y est, ça veut dire erreur. Erreur déjà. Il fallait qu'il bat l'oba bouille. $7 correspond à autant d'unités. Ça veut dire $7, ils ont peut-être 700 unités ou soit 2000 unités. Maintenant, tant que 4 yo, peut-être 200 unités, bah tindé lui un message. Bah oubi, sur les 2000 unités qu'il fallait ton kati déjà, 200. Et tu calcules combien? Autant 1800 par exemple. Si Moukolo a 2000 unités où elles vont correspondre à $7 et que là, c'est alors que vous voyez que nous avons fait ça et si l'on a fait ça. Mais où elles ont ça, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'on ne sait pas les $7 là. Elles ont combien d'unités? Bah, nous avons 400, 200, nous avons battu. Et tu as dit combien? Et en plus, moi j'ai un ami qui a un téléphone. À ça qui est similaire. Ça veut dire qu'il y a un ami qui a unité. Après, vite, à Longoli, cible le téléphone, appelle son petit frère.
petit frère Nazu Kaka Simi Moussou soit tché, babandi sou kokata. Je me suis posé la question. Maintenant, baso identifier ba sim, to ba identifier téléphone. Dans le téléphone de moko ba kati ba unité, atay ba tout 4 ans. Ça veut dire quoi? On est dans la cochon na dollar, baso chon na. Ça veut dire quoi? Cette activité n'a pas été bien conçue. C'est de l'arnaque. Il fallait ba en amont ba concepteur, ça veut dire ba technicien, ba entouré en go. Mesure, le problème est que on a vraiment pour protéger le peuple congolais. Pourquoi il y a des techniciens dans Istakuna parce que jusque-là, ils en ont sur le plan communicationnel. Pourquoi il y a des dollars alors que dans le cas où il y a des francs congolais. Pourquoi il y a des possibilités de faire tant que il y a autant. Et tu as autant. Pourquoi quand il y a des 243, il y a des gens qui ont géré. Pourquoi mon tout ce qui crédit est qu'il a bien un service central pour bah expliquer mais que bon wango et qui ouais pour bien faire une explication bah toi là bah y a un bacaté c'est à dire que Zarnac excusez-moi je le dis ouvertement Zarnac protégé au niveau supérieur bah toi là bah ça tant voilà la vision en chef de l'État parce que ceux qui sont là bon il fallait par exemple dans la parti politique union que ça soit dans ma école il faut bien expliquer bah tout que ceux qui sont dans le téléphone imaginez. Je suis un gagne petit. Déjà pour nous, c'est un problème. Que ça l'a promotion à peuple d'abord, et baiser, que ça l'a promotion à ma cambouille à Zosala. Alors que bien vous êtes ingénieur, j'apprécie ce que vous faites, nous avons félicité le Soussou, Banayon sur la Mouchette-Ville, parce que à partir de là, et démontrer que dans beaucoup de tout ça, nous avons battu madame. Si quoi, pourquoi, Ezala, fibre optique, ou en tout ça, en Wawa, Baza, qu'on explique, pourquoi, monsieur Kibasa, bah, tu vas reconduire. Donc c'est-à-dire que le ministre doit nous éclaircir pour le rame. Il y a moi quoi qui n'ai expliqué ça. Attends, ça va qui communique très mal. Ah bon? Dans le bien, ces gens communiquent très mal parce que ni t'étais pour ça, t'as là, bah tu vas linga basal bah marcher. C'est effectivement, bah tu vas salir bah marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne communication. Ministre, il y a moi quoi à expliquer parce que ne les aboyer. Rama linga le baboy. Allo bah on a linga là. Allo bah na Swahili. Allo bah na Chuluba. Allo bah na Kikongo. À expliquer bah tout. Moi j'ai une proposition politique. Nazara toujours dans le contexte politique. Moi je demande au chef de l'État, parce que là on nous suit, le service à monitoring, parquet général, ANER, CNS, tout le monde, président, c'est pas ça. Moi j'ai une proposition. Je commence à donner une image politique, Zigo. Moi j'ai une proposition à faire. C'est une bonne question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, service, parce que le chef ne peut que fonctionner au moyen, il y a une note technique au service pour ça. Ingénieur Azawana, Ayebi, il n'est pas seul. Ayebi 4 et 5. Oh bah si c'est une bah, génération, moi bah, formation, même à l'étranger, au nom de la République, sont des personnalités comme ça, que la présidence de la République, au travers le collège antique, faut bien inviter Bango. Bah, moi j'interdis à l'ingénieur Tosha à sa bah, proposition à la TV. Toye bimboko. Bah tout ça, ma yé les athées, et oiseau comme ma kasi. Elle a comme pas mon condiva à les raconter ça. Consultant. Aussi longtemps il y a des spécialistes. Vrai consultant yé. Vrai consultant yé. Je pense que c'est la télévision. Hein. Mais oui. L'émission est enregistrée. Et puis, Balbazo, là, n'avait pas que ce est l'eau des bimi. Vous aurez Allez-y. Tu peux t'imaginer, aucune consultation. Les chefs de l'État t'appellent Tony Coco Antoine. C'est parce qu'il te suit, non? Vous savez que les chefs, malgré ses multiples occupations, il a aussi le temps de suivre la télé. Surtout ma chaîne à proximité. Aïe, bah, quelle est la pensée, quelle est la chaleur de la population? Aujourd'hui, la question sur votre histoire des rames. Nganazo tournaka, jamais kabundi mutazaramis sous ma casse. Bazo quoi là bas kinoa boye bas congolais jamais kabunda zo réagir te parce que eloko yo ministre ya petenti kazo ça là comment vous appelez Kibasa ça c'est rendre un mauvais service à Fatshi c'est surtout pas lui il est mieux placé pour accompagner la vision ya nani ya mukonza mboka
Et là aujourd'hui le ministère pétentique par Olobani, héros ici bah il y a RTGA, mais RTGA c'est un gars église au milieu du village. Bon mais la mission va charger communication, ben expert pétentique tout à là-bas. On va défendre l'intérêt de la République. Là je pense que je vais, il faut en enregistrer mission les Alabi. Tony, pourquoi le ministre qui passe à auditer d'abord la société Nyonso, il y a télécommunication à Congo Té. Poste-t-il les lots au CPT. Abandonne d'abord parce que mon Ezaï Belé. Toutes les sociétés de télécommunication. Il a été reconduit à peine dans le gouvernement de Warrior. Peut-être qu'il si faut mieux voir la fin d'une chose que son commencement. Ça y est, idée. Okay. C'est vrai que ça n'a pas conseillé. Mais nous, nous sommes les conseillers du chef de l'État. Nous sommes les conseillers de la République. Tant que tu as idée, la société a été reconduite. Que ce soit Oyobo, que ce soit Nemo Yotan à Bakombo. Aïe, d'abord que la société a été reconduite. Il manque à gagner. Et le moro docteur John Namon a ramené bien aux arrêts à poto. Moutazo ben on a poto mais on a mis un numéro à RDC. Effectivement. Et ça mouille. Et ça mouille. Et je n'ai pas tout ça. On va répondre à la ligne. Il y a trois questions. Plus 243. On a plus 243. On a plus 243. Non. Bon, ça c'est passé. Nous saluons le code Amoka. Voilà. Plus 243 veut dire tout simplement, et ça code, ça veut dire, le code là représente une fréquence. Ça veut dire, nous sommes régis dans UIT, Union Internationale de Télécommunications. Tu as contrôlé, dans UIT, Union Internationale de Télécommunications, où ils allient l'Iboko, il y a Nations Unies. Où ils allient pour nous réguler, ça veut dire, pour qu'il n'y ait pas de chevauchement, ça veut dire, bah, interférence, il y a bah, fréquence, il y a la T entre bah, état, patati patata. Le 2. Au monde aura deux et l'ingaroloba Afrique. Ok. Sur le déjà, Moutazo Banda à peine un petit 2, ça veut dire Zobenga, Afrique. 43 veut dire nous sommes le 43e pays qui a été normalisé par l'UIT. Ça veut dire tant que tu vas nous la normalisation, dans ma téléphonie cellulaire, ma PCBISO, et tu as qui 43e état. Or, les 243 là, ils ont une adresse logique. Ça veut dire que ça correspond à une fréquence. Mais il y a une fréquence, mon corps, tu as une bande passante. Ça veut dire la fréquence de coupure. Inférieure et supérieure prise avec une atténuation de moins 3 décibels, Bobby, et ça y a RDC. Donc, Mboka Moussous, moyen utiliser fréquence ou voilà, exacte. Sinon, il y a aussi une interférence ou chevauchement. C'est ça. Maintenant, 243, les gens payent. Il faut que tu aies un bon société Nyon sur la télécommunication. Ce que ça appelle, ils ont des Liban de Mboka. Et puis, ils ont des Liban de Mboka, ils ont quota. Normalement, la société est en privé à com. Il y a 243. Peut-être c'est moi qui suis mal informé. Il ne faut pas foutre à mon OCPT. Parce que OCPT est des Gérard. Mais il y a 76 mois payés. 88 mois payés. Docteur, s'il vous plaît. Vous avez un problème avec le ministre qui Non, je vais vous expliquer. Azel et Vision, un peuple d'abord, t'es. Maintenant, le 243 là, tant que vous salue déjà, parce que t'es mieux sa télécommunication, pour qu'on appelle dans l'extérieur, l'État a prélevé 20%. On appelle Wana Nyoso. Ça veut dire que c'est une taxe. Donc, ceux qui ont bien 20 minutes. 20% il y a un bon on a eu. Donc ça veut dire mais ça va imiter, on va traduire en gros sous forme yambongo. Maintenant le problème se trouve à quel niveau? Bisso l'État congolais, tous en mesure contraignante était, ça veut dire mesure à contrôle. On a voyé bateux, société Songolo Pakala, bah ça là qui autant d'appels sortant et entrant, vous voyez, na un mois. Ça veut dire quoi? Bah société on a déclaré qu'à appel na bango bango beaucoup. Ça veut dire, bisoto kenda ke pa na bango, to tuni bango, avez-vous effectué combien d'appels? Bango ne baroyeb sa biso, to salaki 2000 appels. Bango le papel pour benga ki na binoté. Voilà. Donc ça veut dire ba kiti saka pour na bango ba gagner plus. Or nous maintenant, biso sikona niveau ya l'état congolais, il fallait ki na sala ba proposition awa, il fallait ki na place to ke no sala barnac pour rentabiliser l'argent là, to récupérer mbongo wana. N'a pas sa proposition, nous devrions avoir un gateway unique. Et ça, le rôle à papa, aux anandaku, aux anabananoya basi, mais aux anabaporte, n'a qu'à tandaku, nous a quatre.
Sikoyo, mwana na mwana, yo papa yo fait la porte oyo. Kuna mwana bimina ye, azongi na 4 mois oyo ba, ezate. C'est comme parce que tu es sur télécommunication tout ça ngwao. Mutu na mutu soka linga sala appel na ye ya libanda. Azana satellite na ye opérateur na ye. Oyo j'ai la satellite na ye, o ba sala contrat na ye, abimaka na ndenge na ye, ba appel ekotaka na ndenge na bango. Biso to sala contrôle. Mais place mbongo za mwana. Normalement, on n'a pas besoin d'avoir un satellite de télécommunication maintenant parce que ça coûte cher. Et puis durer à satellite sur l'orbite, c'est 9 ans. Au moins, le roi est fort économiquement parlant. Tu as un solo là. Tu as une entreprise qui gère un satellite, le roi Inmarsat. Le roi la Eutelsat, le roi la France Télécom. Vous comprenez? Baza Langote. Baza Langote. Ça veut dire que tu as un solo là. Tu as une bande passante, il y a la République. Ça veut dire que c'est l'État congolais. Tu as une bande passante, il y a un goyo. Mais non, biso to che gateway na biso moko unique o to za kana ona sele Renatelsat antenne moko ya munene ka segre ça va to que gateway te za nzele moko porte moko nzele porte moko ça veut dire to contraindre siko ba société nyo sa télécommunication ba le kakawana siko yo biso to ke bo cha plateforme intelligente na biso na sele ça veut dire ba pelle nyo sa ba réseau nyo sa voie bima to che ba circuit et bouillère ba filtre passe bande et kabolaka et puis qui appelle outil na x ou outil na y o zo le kawana o au fur et à mesure, bozo leka, bozo zonga, bozo kota, bozo bima, biso tozo yeba, au combien d'appels biro bosali. Voilà. Donc na fin du mois, na fin du mois, yo déclaré té, l'état congolais nda royelo relevé. Ingénieur, yo réalisé autant d'appels sur le doigt autant. Ingénieur, tocha tobe te lomba bo bimité. Sori yo komi kuna. Ba ko comprendre té pour ba biro nyo sa do bimisa o, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est émission nangai do. Oh. Mais zo sala ma chère de poule. Parce que ma gambole bi, oui mi mboko o pesa tozo na mbongo. Tozo na ba individu, c'est ça que mbongo zo kende. Zo zongi lo ali mo te numérique na pentique si le semaine de campagne ya gret wana ya port wana na on mon zara malo bela ko loba même la deuxième partie est réservée aujourd'hui j'anime l'émission avec le docteur John Kankonda. Pardon. Mesdames et messieurs, exactement 11h30. Type chef d'édition Nangaï Joël, on devait quand même couper déjà cette tranche hein, avant 10h30, mais le directeur qui nous demande de continuer vu excusez-moi, hein, j'en ai la voix qui s'en va. Voilà. Vu l'importance du débat, la bisou à l'élo, et Sento continuons jusqu'à la fin de cette tranche, c'est à partir de 11h juste hier de Kinshasa. Ingénieur Tocha, Nazongelio, moi, Mlombango, il y a une question de tout naïf sur numérique. Pétentique, voilà. Et puis en même temps, j'ajoute une troisième question à faire à Simbox. Simbox, c'est-à-dire Oloba qui appelle Moutabengi Bisson à Londres, États-Unis, mais commis numéro à RDC, n'a plus de 143. Ok, voilà. Expliquez Bisson à Maram. Na bandi na ba na Simbox, ce phénomène-là, à l'époque, Moko Toualaka, il y a un ministre, vient à Bisson à New York, journaliste, comme on est Kinkemulumba. Il y a qui a décelé réseau Moko, il y a un poste, il y a une société à télécommunication, qui a dit qu'il y a des temps bons et des délais, il y a un foutre de ça, il y a Simbox. En fait, Simbox, c'est un anime. Tu vois, on appelle. En passant, tu as un réagi, tu as un satellite, stocké. Ok, merci, c'est pas un problème. voilà. Donc, Moutako, tu as à Paris. Il vous est aussi déjà arrivé. Moutako, à Paris, tu as à Bruxelles, tu as à Wapi, à Bengio. Mais, au moment, le numéro de ma code de 243, c'est comme si c'est un appel local. Et ou bien, le numéro de ma Nigeria. Ou soit, le numéro de Nigeria. Mais, tu as un cannabis. Il y a un RDC. Il y a bango ya poto ba équipementier ba sala ka ba matériel wana bazali ba fabriquer les bino versat moko et puis bazaka na posa ya routeur moko o ekira biso wifi et puis ba équipement ngo a na Kinshasa ezali ezana poto a pe na Kinshasa ezali na immeuble soza comme likolo ezali na immeuble de la presse ezali ezana trois endroits ezana trois endroits ba équipement wana ba sim box ezali ça veut dire maintenant ba osa ndeni a partir ya poto quand on appelle. Au lieu d'appeler les cas, parce que quand il y a téléphonie, il y a trois canaux. Tu as un canal qui est la voice, au place Maloba et les cas. Tu as un canal qui est la data, place il y a données, ou les cas, données numériques.
Et puis toi, on a canal, moi, on a channel control. Oui, ça, la contrôle. Maintenant, Bapel au Ezokota, au lieu que les canaux voient normal pour na bis auto taxé yango, bango à partir na bango kuna de mes équipements basan yango, ba dévier yango chemin. Ba côté ici yango, local appel au yaga na WhatsApp. Ba appel au yaga na sur les réseaux sociaux. Oui. Et les qui na voient wana, uniquement pour na kosa anine, avec l'intention au kima que les canaux voient normal place contrôle les alli, place au ba prélever la taxe. Maintenant, Bango Kuna n'a pas tout à partir de l'équipement, il paye trois fois moins ce qu'ils doivent à l'État congolais. Il gagne de l'argent. Il paye trois fois moins. Donc, au lieu, il va foutre à 20%. Peut-être, il va foutre à 20 divisé par 3. Donc, il paye trois fois moins. Or, l'équipement, ils sont connus. Les équipements sont fabriqués en France, les équipements sont fabriqués en Belgique et puis en Angleterre. L'équipement, on a Kinshasa et Yebani. Moi, je me pose la question, où se passent les services? Pour pas qu'il n'y ait pas d'immeuble, il y a un immeuble qui est allé. Dénoncé. Il y a Botour et Ali. Loba, papa. Et puis il y a un immeuble de la presse et Ali. Ces équipements sont là. Maintenant, ils ont fait perdre Bissot 12 millions de dollars là. Pardon? 12 millions de dollars. Non, madame. Non, il est père Dakar. Congo, Congolais. Hein. Dans sa vie, l'État congolais perd 12 millions par année de dollars là. Et l'autre, voilà, ça 12 millions. Mais vous avez imposé Bissot là. Vous voyez? Ça veut dire qu'on a des moyens. Oh, il fallait que l'État congolais, ça la mesure. Pour na na niveau à Rwanda, cette histoire de Simi Box et Siba Jouelon solution, ça n'existait plus. Ça veut dire qu'ils ont mis de moyens conséquents, techniques, pour remettre fin à l'Ikamboua Simi Box. Vous voyez? Mais ce qu'ils ont ingénieurs. Voilà. Bah, est-ce qu'il y a beaucoup contre carrément on te permettait. J'avais dit que j'étais en train d'animer cette émission avec le docteur John. Allez-y. Allez-y. Parce que bien le docteur John, en fait, par rapport à. Par rapport à l'importance, quintessence et à matière. Oui. Au moins, écoutez, les gens nous ont chômé. Mais il y a un coach qui donne. Coach, il y a un coach. Et bien, là-bas, parce qu'avec les coachs, nous apprenons. Coach, c'est tellement fort que tu ne peux pas imaginer. Allez-y, posez votre question, on va répondre à la question numérique. Un ingénieur, tout ça, n'a pas. Vous avez dit que Biloko nous existait. Est-ce que vous avez une proposition? Le col, il y a une place Biloko nous allait. Parce que dans le cadre, il y a. Nani fonctionne na yo na technicité na yo. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des propositions? Non, ça parce veut que dire... nous connaissons que Mouyibi l'État zo ko perdre. Ça veut nous dire nous avons besoin d'un bon gowanda que tu recourir na RAM. Ça veut dire quoi? Okay. Lorsque je travaillais pour un réseau de télécommunications, il y a de cela deux ans passés, na gagné aussi à l'installation mon niveau il y a Nicolo et Abotou. Non, j'ai démissionné. Je n'ai pas voulu être un employé du mois. Quoi. Le bon lingala. Na kené ko mon na équipement wana. Ça existe. Moi, je me pose la question, le service d'ANER. ANER a été pour traquer Timothée Lenoir parce qu'il a dit ceci, il a dit cela, au nom, outrage, voilà, voilà. ANER, Moussa Anayepe a décelé ma magouille à Boué, ma forfait à Boué. Surtout IGF. Hein? Non, IGF a joué à la presse. D'abord, ANER, non, nous. C'est un service d'intelligence. On va pas oublier la FEC. Moi, je vais parler de la Fédération des entreprises du Congo. Ça veut dire. FEC tout à l'heure. Je vais chuter. Ça veut dire qu'il fallait ANER à déceler en gros, de façon que Biloko ici, l'État congolais a récupéré quand même les 12 millions où ils ont un caca boyé. Parce que cette histoire continue. À l'époque, il y a M. Kintye Mulumba, ils ont volé l'État. Bah, oui, mais quand ils ont payé, mais quel a été maintenant en retour mesure pour que Katana. Non, il n'y a eu aucune mesure. Ça veut dire que ces gens-là continuent à voler l'État congolais jusqu'à nos jours. Ils ont continué à voler l'État congolais. Patrick, ça veut dire maintenant, c'est le moment où le pétain éthique, le ministère a pétain éthique dans RPTC. Bah, se mettre d'accord, oui, ça, bah, se mettre en musique oui. Pour que mettre fin à vol ou à orchestré. Bah, y place bilo kwane zalaka. Et les gens qui font ça en RDC sont connus. Même si c'est une fois, c'est voilà. Impliqué. Maintenant, n'a quel point la différence entre numérique et pétentique. D'abord, okay. Le numérique, c'est pas un terme nouveau. Les gens confondent. Vous allez ajouter également cet élément de différenciation entre le ministère de la télécommunication et la communication. Numérique, c'est quoi? Normalement, le numérique, c'est une nature d'un signal. C'est la nature d'un signal. Nous avons deux sortes de signaux. J'avais défini un signal qui est défini comme étant une représentation physico-mathématique d'une information. Information qu'on a la maloba. Information que vous avez à l'image, information que vous avez à la fax, et que vous avez écrit, et que vous avez à la musique. Okay. Maintenant, lorsque vous envoyez ça sous forme d'un signal, vous voyez, il y a un forme et un signal. Tout ça, on a mis un balai. Où est-ce que vous avez un signal sinusoïdal. Il y a un signal sinusoïdal.
Ça veut, c'est un signal qui est présent à tout moment. Bah, signal autre, analogique, voilà. C'est un signal analogique. Le terme m'échappait. Voilà. Maintenant, pour le besoin de la cause, hein, tant que tu as dit qu'on évolue dans la science, signal analogique, avant qu'on présente, bah, faiblesse et belé. Vous vous souvenez à l'époque, tu as dit la bande cassette pour la rock musique avec un lecteur. Bon, Teva Kunki. Et puis, non, oui. Noir et blanc. Et puis, tu as dit un magnétoscope. VHS. Bon, on a ceux qui. Baby. VHS et baby. Image, et bandit qu'on s'est dégradé. Ainsi de suite. Malobé, comme il y a un bébé. Ndeyango, il y a qui ça la transition. Le signal numérique n'est que la résultante d'un signal analogique. Ça veut dire que le signal analogique va traiter Yango. Il y a trois étapes pour passer d'un signal analogique à un signal numérique. Nous commençons par l'échantillonnage. Nous procédons par, après l'échantillonnage. L'échantillonnage, ça veut dire prélever les valeurs instantanées de ces signaux-là. Après, la deuxième opération, c'est la quantification. Ça veut dire que vous comparez maintenant les signaux-là, les échantillons par rapport à une référence qu'on appelle quantum. Et la troisième opération, c'est le codage. Ça veut dire que vous signal voilà, vous transmettre en gros sous forme binaire. Comme une suite logique de 0, de 1, bah 0, 1. Il y a un signal comme numérique. Maintenant, signal numérique, wana, et ça a l'avantage est ébélé. Ça veut dire on peut faire le multiplexage. Multiplexage, c'est le signal de signaux ébélé. L'information ébélé, on a le même support. Car là, vous conviendrez avec moi, et ça, pour nous, ça, la téléphonie. Le téléphone n'a plus sur SCPT. Tu as un câble qui est là. Oui. Ça veut dire que il faut que vous en des signes, des signes, des signes. Si vous avez un câble, vous avez dit que vous avez un câble. Or, aujourd'hui, le câble n'existe plus. Avec le numérique, ça veut dire qu'on vous prend un bloc. Il y a une inter... On vous connecte à partir des switches comme intermobile, au niveau de switch, avec un bloc. Vous avez un câble. Vous avez un support. C'est ça le numérique. C'est une nouvelle technologie. C'est une nature d'un signal. Maintenant, il y a un monde qui a une application qui est là-bas, domaine ébélé. Il y a un monde qui est informatique. L'informatique, c'est le numérique parce que l'informatique ne connaît que les 0 et les 1. Oui. Avec son outil, autre domaine ordinateur. À l'intérieur de l'ordinateur, l'ordinateur ne connaît pas la couleur bleue. L'ordinateur a une musique, t'es, même si on a un ordinateur. L'ordinateur à son intérieur ne traite que les 0 et le 1. Donc, à ton petit M, na clavier, na yo. M wana correspond à une valeur numérique. La carte ordinateur. Et puis, avant, le transducteur, moro au haut-parleur, qui est un transducteur courant acoustique, qui convertit un signal électrique à une vibration sonore, n'a qu'à restituer signal au yotindaki naibandil. Mais à son intérieur, lui ne traite que les 0 et les 1. Même au tchèlie photo na scanner, on l'a traité. À kokabola ba photo, on a un petit point lumineux. Chaque point lumineux correspond à une valeur binaire 0 et 1. Après Nasuka, après Bimasko, on a écran qui est aussi un transducteur lumière courant, à cause de la forme où il y a ce avant. Donc le numérique qui a s'appliqué dans le domaine informatique, même le audiovisuel numérique, et la caméra auto c'est numérique pour la qualité, vous comprenez, pour la netteté du signal, vous comprenez. Ça veut dire le numérique c'est la nouvelle technologie. Et ça inclut dans le ministère, il y a PTN éthique. Mais qui veut dire poste de télécommunication, nouvelle technologie, téléphonie. Non, non, jusque là, contenu et ça creux. Donc ça veut dire éviter, M. Eberand, dans ça, il y a numérique, il y a portion, il y aura conflit d'intérêt. Non, mais je crois qu'il y a toujours un job description. Donc, il y a une démarcation. Le premier ministre a eu l'idée. Il y a au-delà de ministères. Bon, moi, je pense. Non, non, ça veut dire quoi? Ça qui va statuer qui ça veut dire quoi? En réalité, numérique ou ana. Parce qu'il y a un monde qui gère même mobile, monnaie, money. Ils ont bien sauté dans le numérique. Vous voyez, ils ont une nouvelle technologie. Même qu'on digitalise. Parce que les gens parlent de signaux digitaux. Digital, ce n'est pas un signal numérique. Il y a une différence entre un signal numérique et un signal digital. Le signal digital. Et en Europe, d'ailleurs, il faut pas quoi ça terme, on a un digital. Mais le digital veut dire quoi? Un signal numérique représente un nombre. Lorsque vous prenez un signal numérique, vous avez quantifié Kango. Ça veut dire qu'il a une amplitude. Signal numérique, ce qui correspond à Kango, ça peut te donner 12 volts, 12 ampères. Mais un signal digital ne correspond pas à un nombre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu as un code de Morse, tu as utilisé code de Morse. Ting, ting, tang, tang, pour nous transmettre l'information. Et ça qui va pouvoir nous battre. C'est ça le signal digital.
Ça veut dire le signal digital et le numérique, c'est différent, c'est pas la même chose. Digital ou abusongoy. Oui, oui. Ça veut dire le signal numérique représente un nombre, pendant que le signal digital ne représente pas un nombre. Mais maintenant, le problème qui est là, bazongi c'est un numérique, nakati a pété éthique. C'est la même chose. Bah attribution numérique, ils ont inclus nakati a pété éthique. Sinon j'ai eu qu'un seul invité ici, j'ai l'impression. Oui. Non. Je vous donne la parole. Nous avons que les dix dernières minutes restantes. Moi ça me dérange pas. Moi je suis purement politique. Moi, j'ai une formation licenciée en droit privé judiciaire. Alors, quand je me retrouve devant ma matière à boyer, un télo est averti, je ne peux que saisir le. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. On apprend tous les jours. Nazan a bloqué notre. Ça me met à l'aise. Moi, ce que j'ai remarqué, défaillance, il y a communication à Bissot. Tous ces blablabla et arabes, quelque part, responsabilité, c'est où tu en as fait. Cette histoire de fédération des entreprises congolaises, il y a un peu faut bien étudier dans nos canaux. D'abord, bah toi, zana, bah oumeli mingi, bah koli makasi. IGF. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est plus fake nde azawana, à quoi ma copine, je sais pas moi copine. IGF. Il y a ma société union sa communication qui aujourd'hui le droit ou encore les intérêts de l'État congolais. Pour moi, étant politique, je l'ai dit tout haut, j'estime que les a sécurisé. Ça me donne une question. Comment gérer les maisons de télécommunications en RDC? On va revenir à vous, sinon vous en avez beaucoup parlé. Vous comprenez? Allez-y, on va dans finir. Dans la ligne, ça n'a qu'à être logique. Quel est le travail à faire fédération des entreprises à Congo? Parce que toutes ces grandes sociétés, au même la société à Com, ils ont le cas de la société à la banque. Vous imaginez? Ils font tout, malgré sous la gestion de la banque centrale, mais ils font tout pour étouffer la banque sous la bénédiction et affaire. Oui, mais ils font tout pourquoi? Parce que l'RDC, Bissomo, tu as la société de télécommunication internationale. Les lots qui sont la télécommunication, tu as la communiqué sous tes. Or, il ne suffit que j'avais fait une étude ici, avec 450 millions de dollars, nous pouvons couvrir 800 km² par le réseau de téléphonie cellulaire de la 4e génération, en utilisant un équipementier que nous appelons Huawei. Mais nous en utilisant ZTE. Or, ZTE est deux fois plus cher que les équipements Huawei. Parce que lui, il a une qualité un peu supérieure par rapport à Huawei. Mais si Huawei est salaire, c'est que Huawei a sollicité des décisions. Or, Huawei. Parce que Huawei est un casa privilégié. Or, Huawei a tout fait ça même équipement en crédit. Même je me pose la question comment RDC. Donc, vous avez une société de télécommunication Poste nationale. Ils ont coup à caca. Avec 450 millions de dollars. Pendant que son talibaro va se détourner à Oua, bah on tient la poche là-bas, c'est plus que ça. Donc on peut directement avoir une société de télécommunication. Oh, aujourd'hui, car à moi, 20 millions d'abonnés. Tout ça, l'effort, aujourd'hui, 20 millions d'abonnés. Parce qu'on sera, exonéré de la taxe pour les sociétés à l'État. Je pense que nous arrivons à la fin de cette émission. Docteur John, c'est un mot de la fin également pour aujourd'hui. Allez-y, vous avez une minute. Mais déjà, il faut appeler ça d'abord Messi et Belen à Fiestambou et surtout le grand boss qui t'aime. Et au début que matière, ils allaient qu'Ebélé. C'est vrai que toi aussi, c'est le loté. Dans Rosenga, il y a grand boss, ma perception de Tamoussous, tout ce que je veux dire. Dans la ligne, il y a un peu de fake. Musala na bango ezakaka omoni baye minene moko na comprendre te comment mutoko ko ye munene republique etikali muke to be care de ces amboka munene il faut que yije faye service me batwana mususu basi basali ba 30 ans ici kawana mais toujours mon ba réalisation de telle matière ngo est-ce que fait kako ko sala ba émission te et puis ba tinda ba nani ba communicateur na bango to ko sala débat contradictoire na kacha masolo oyo fait ka yib service pourquoi 12 millions de dollars chaque année, ça a échappé à Bissot. Mais ministre Kinkei, à Salaki Moussala, il fallait que ma successeur n'aille pas appeler à ma expertise technique, d'ailleurs, vous allez voir, et démontrer que vraiment, Congo a formé Bato. Bah, y'a pas eu de commis, la ministre, on a eu un trait technique, ce qui ministre de l'Ingui a embrouillé, il s'est tocoyé là. Nous sommes des politiques. Vous comprenez? Chef de l'État, lobby, a taillé à Salim Abe pour critiquer parce qu'il n'est pas Dieu le Père. Ça, nous parlons du peuple d'abord. Il y a un homme qui est noir, à Bengi Jamar Kabunda Kabunda. Il y a un peu chocho. Mais il y a un peu de Konabiso Kabuya. Mais il y a un peu de Kabuya. 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 Ramoye Zamu Yibi. Dans la zone officiellement. Parce qu'il n'y a pas une information où il est kaki. Dans la zone, tout n'a pas les sous. Parce que Kabuya est le biawa.
bato bazo lande biso na ko senga ke émission ezala comme rediffuser même trois fois. Pourquoi? Ba matière opéciale. To le beli bato ya aner. Aner pourquoi zo tala bato wana te sika bazo ko yiba mbongo ya l'état? Parce que bato wana donc le bacha ba émetteur na bango. Ba émetteur wana ezo pe pona ko espionner biso. Ba émetteur wana ezo pona ko yiba mbongo. Fala musala mingi aner ko sala. Siko bando ko fek bo le bini. Merci. Monsieur le ministre Kibasa, je connais la technique. Merci, docteur. Je n'ai rien contre vous. Si moi, je voudrais que, comme c'est le peuple d'abord, ma cambote. Bon, moi, je vais chuter comme étant politique. Je suis tout simplement au regret de constater que le ministre Kibasa Maliba, je ne veux pas dire qu'il n'est pas à la hauteur, mais je ne pense pas qu'il adhère dans la vision du chef de l'État. Alléluia. C'est sans rancune. Bisous, M. Touzaïso, djihadiste et d'autres, on a besoin de fonctionner. Mais aujourd'hui, ma cambo et l'équipe arabe, c'est une décision impopulaire. Et puis j'ai saisi l'opportunité au travers de cette matière. L'IGF qui est tout à l'IGF à Kenenan audit n'a pas été dans le ministère. Qu'on sache les 2-3 semaines où Kati Batumbongo Yaram et Kewapi. Merci. Voilà. Merci. Ingénieur Toshangundo dit mot de la fin également pour la Léoli Kameta Liram. Ok. Nazar, je suis très. Je suis très à l'aise de parler du RAM parce que. Bah, mais la soupe c'est mon domaine. Tony Coco, tu ne soulèves pas ces points-là. Je demande. Je demande au chef de l'État. Bah, yambayo, papa. Le secteur de PET&TIC, du poste et nouvelles technologies, peut générer beaucoup d'argent. Ma proposition est allée. Mais avant qu'on soit à mesure, mon sousou, il faut qu'on consulte ma spécialiste pour que cela ait frustré la population T. Et nous avons des propositions qui sont là autour que ça la pona mbongo chaque jour et qu'on t'a à niveau il y a qu'est-ce aller là il y a qu'est-ce aller là 243. Vous voyez donc j'ai des propositions, j'ai fait des schémas, même les cambo ya wifi j'avais déjà proposé ça il y a 3 ans trois ans passés n'a proposé qu'on a ista pour on a installé bibliothèque électronique qu'on a parti à fibre optique dossier zawana mais wifi cambo quand on dingue zalaka et là mais aujourd'hui nous pouvons faire ça ma proposition est ali. Mais bon, malheureusement, nous sommes dans un état où Bato Bayebi Bazarana a accepté pour nous repérer Samaeli. Et puis Bazar traqué. Voilà. Mais ça, voilà. Non, numéro l'aime sous Baroubenga. Il sera dérangé. Non, non, c'est mieux. C'est mieux. Il va être exposé. Je pense déjà, que c'est un peu abomi cop à battre Bélé. Ça veut dire qu'il sera traqué. Moi, je ne le conseille pas. Non, non, Eza et Loroté, je suis congolais. J'ai insulté personne. J'ai parlé. Il passe souvent dans ma plateau politique. Donc, le numéro, c'est. Plus 243 81 53 75 019. Plus 243 81 53 75 019. C'est bon, ça mon numéro. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de partager ces bons moments de la télévision ensemble. Durant toutes ces 120 minutes, pratiquement, cette tranche animation Carrefour, nous avons tout simplement discuté, cogité sur cette affaire, vous le savez, du RAM. Alors, vous avez trouvé quand même quelques pistes de solutions. Si vous n'avez pas trouvé, ne pensez pas que nous allons finir comme ça, peut-être prochainement. On va continuer avec ces dossiers. Ingénieur Tosha Ngundo dit merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie, le plaisir est partagé. Merci également au docteur John Kankunda de nous avoir prêté votre disponibilité. Merci beaucoup et merci à Madame Christelle. Moabilou, voilà, l'ADG de la RTGA également. Merci à Timothée Lenoir Efika d'avoir accepté notre invitation. Merci, moi je remercie beaucoup le directeur 33 Chitenge pour le timing et Fiestambou. C'est un réel plaisir, je vous retrouve chaque lundi et samedi, mais bon, aujourd'hui, spécialement pour des raisons de santé, Bibindaya pourra vous retrouver la semaine prochaine. Moi, je m'appelle Antoine, et avec son diminutif Tony, bien sûr, Nkoko, qui est une rivière dans le Congo central, qui vous retrouve, bien sûr, Kuntoala, qui veut dire devant. Je vous retrouve devant, bien sûr, prochainement. Fiesta Mbo réalisé, c'est un réel plaisir. Franchine Gembe, Congo Dialogue, 100% canote. CongoDialogue.com. Il va le faire, ça m'a Franchine Gembe. Oh!